Bonjour, mesal khair ou salam alaykoum. Je m'appelle Fatima. Je suis née au Maroc. La vie au Maroc, c'est une vie simple, mais moi, j'étais vraiment heureuse. Mais ma mère, elle m'a dit qu'on allait partir pour la France. Et pour moi, ce fut un choc. Je ne m'y attendais pas du tout. Et à l'époque, il y avait ce chanteur qui chantait Et ce chanteur faisait allusion à des personnes qui quittaient leur pays et ils oubliaient leur famille. Et moi, je me disais, oh là là, je voudrais pas que ça m'arrive. On est arrivé dans un petit village en France. Mais très vite, j'ai vraiment le mal de mon pays. Et mon père nous avait acheté la cassette d'une chanteuse algérienne. Cette chanson, c'était Ya Tayara Teribia, O Salini Mwalia. Ya Tayara Teribia, O les Azayer. Et moi, je chantais Ya Tayara Teribia, O Salini. الماليه يا طياره طيريبيه والمغرب غالي عليا. Mais voilà, j'étais en France et il fallait bien que je me fasse une raison. Peu de temps après, il y avait la fête. Je me suis dit, bah tiens, c'est pour nous l'occasion de sortir un peu, de nous amuser, de faire des tours de manège. Et mon père nous a donné de l'argent. Mais arrivé à cette fête, on n'avait pas assez d'argent pour faire des tours de manège. Alors, on était là, on regardait les autres s'amuser, puis nous on tournait en rond. Tout à coup, on aperçut des grosses boîtes vitrées avec à l'intérieur des jouets. Puis je me suis dit, bah tiens, puisque on n'a pas réussi à faire des tours de manège, mais on va essayer quand même d'avoir quelque chose. J'ai mis la pièce et j'ai tiré. Et au lieu d'avoir un jouet, ben c'est une croix que j'ai eue. Ma sœur, pareil, elle s'avance, elle met la pièce. Elle aussi, c'est une croix qu'elle a eue au lieu d'un jouet. Et mon frère Saïd aussi. Et puis là, tous les trois, on était là, on regardait cette croix. Elle était belle, elle brillait. On la met autour du cou et on est rentré à la maison. Et ma mère, elle nous voit tous les trois avec cette croix autour du cou. Puis elle a dit, elle a crié, « Ah, Willy, ah, Willy, mais pourquoi vous portez ça ?» Et donc moi, j'ai expliqué, je dis, « Maman, on voulait faire des tours de manège, mais on n'avait pas assez d'argent. Alors on a essayé d'avoir des jouets, et puis au lieu d'avoir des jouets, ben on a eu des croix. » Elle me dit, « Ah, mais c'est haram pour nous, c'est interdit de porter une croix. Ça, c'est pour les Français, c'est pour les chrétiens. Mais pour nous, c'est interdit, on peut pas. » Mais moi, je la trouvais belle, elle brillait et tout, je voulais la garder. Et ma mère, elle me dit, ah, puisque tu veux la garder, ben, tu vas voir. Au dernier jugement, cette croix, elle va devenir une personne et cette personne, elle va te poursuivre, elle va t'emmener en enfer et tu seras tourmenté pour l'éternité. Puis alors, elle m'en a tellement dit sur la croix que elle m'a fait peur, donc j'ai pris la croix, j'ai craché dessus et je l'ai jetée à la poubelle. Et puis le soir, impossible de dormir, je repensais à tout ce que ma mère me disait sur la croix. Et je disais, Ya Rabbi, smih liya, oh Dieu, pardonne-moi, je ne savais pas que c'était mal pour nous de porter la croix. Donc ça faisait quelque temps qu'on était en France. Mon père et ma mère, ils ont commencé à se disputer. Et c'est vrai, les disputes, ça arrive dans tous les couples. Mais les choses allaient vraiment trop loin. Mon père et ma mère, ils s'empoignaient, ils se tapaient dessus. Et moi, je me mettais au milieu. Et j'essayais de les séparer parce que je ne voulais pas qu'ils se fassent mal. Et lorsque ma mère, elle me voyait plein de sang, elle disait à mon père, mais regarde, regarde notre fille, on est en train de la tuer. Alors mon père, il me portait, il me soignait. Mais à chaque fois, ça recommençait. Cette violence, elle était là. Je voyais mes frères et sœurs, ils pleuraient, ils étaient vraiment traumatisés. Et moi, très jeune, bien qu'étant enfant, je me disais, mais il faut faire quelque chose pour ma famille. Et je voyais mon père tous les jours, il rentrait dans la chambre et il faisait les prières. Je suis allée le voir, je lui dis, papa, j'aimerais bien faire les prières que tu fais. Moi aussi, j'aimerais prier avec toi. Donc mon père, il m'apprenait à faire les prières et ma mère, elle m'apprenait à faire les ablutions. Ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans que je priais. Je disais, Ya Rabbi, dir shi haja, bach famille titkounania. Oh Dieu, fais quelque chose, interviens et donne la paix à ma famille. Mais rien ne changeait.
et j'ai commencé à avoir des doutes au sujet de l'existence de Dieu. Et comme je doutais, j'ai posé quand même un ultimatum à Dieu. Je suis rentrée dans la chambre, je dis: Dieu, voilà ce que je vais faire. Je vais prier 3 fois. Si au bout de 3 fois tu te montres, eh bien, ça veut dire que tu existes. Mais si tu ne te montres pas, ça veut dire que tu n'existes pas. Donc là, dans ma chambre, j'ai fermé les yeux, j'ai prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, j'ai ouvert les yeux, mais je n'ai rien vu, il ne s'est rien passé. Je suis partie en claquant la porte de ma chambre et je me suis promise que plus jamais je ne croirais en Dieu. Peu après, c'était la nuit, je suis allée me coucher. Alors que je dormais, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je me suis retrouvée dans le désert, tout autour de moi. Et une personne est venue vers moi, elle m'a dit: Fatima, regarde là-bas sur la montagne, il y a un homme qui nous appelle. Et essaye-toi de monter sur cette montagne. Donc cette montagne, elle était très haute, mais j'ai réussi à l'escalader. Et lorsque je suis arrivée tout en haut, je me suis retrouvée face à face avec l'homme. Et cet homme, il me donnait vraiment sa paix, cette paix que je voulais depuis des années. Pour moi, pour ma famille, je la recevais de cet homme. J'étais tellement bien dans sa présence. Il était plein d'amour, plein de douceur et plein de bonté. Je le regardais et là, il m'a montré des hommes et des femmes. Ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils étaient tellement heureux. Je les regardais et c'était pas du tout des gens superficiels. Ce qui émanait d'eux, c'était quelque chose de profond. Alors je me suis tournée vers l'homme. Je dis: Mais moi, à l'intérieur de moi, il n'y a que haine, rancune, amertume et révolte. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je ne suis pas comme ces hommes et ces femmes, mais j'aimerais tellement moi aussi être comme eux. Et de nouveau, l'homme, il m'a montré une personne, et cette personne, elle était seule, elle était triste, malheureuse, un peu comme moi. J'ai dit à l'homme: Mais cette personne, il faut faire quelque chose pour elle, il ne faut pas la laisser comme ça. L'homme m'a regardé, il m'a dit: Mais tu ne sais pas maintenant, mais plus tard, eh bien, tu sauras, tu comprendras. Et lorsque je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans mon lit, il y avait ma soeur Kadouj à côté de moi et mon frère Saïd. On dormait tous les trois dans ce grand lit. Et puis je me disais: Mais qu'est-ce que c'est? C'est un rêve? C'est de la réalité? Ces hommes et ces femmes qui étaient ensemble et qui étaient heureux, unis, qui sont-ils? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'un jour je les rencontrerai et que moi aussi je serai heureuse comme eux? Ils sont heureux. Et cet homme, il était plein de bonté, plein d'amour, plein de douceur. Il était parfait, lui, cet homme. Et qui peut être parfait? Il n'y a que Dieu. Alors je me suis dit: Mais alors, si Dieu existe, il y a un espoir pour moi. Il y a un espoir pour ma famille. Il y a un espoir pour tout malheureux. Je suis allée voir ma mère dans la cuisine et je lui dis: Yammou, maman, maman, j'ai vu Dieu. Si tu voyais, il m'a montré des hommes et des femmes, ils étaient ensemble, ils étaient unis, et eux, ils sont tellement heureux. Ma mère me dit: Mais nous aussi on prie. Je dis: C'est vrai, maman, nous aussi, on fait les prières, on fait le ramadan, on fait tout ça. Mais regarde la vie qu'on a. C'est ça la vie. Ma mère m'a dit: Mais c'est mektoub, c'est écrit, c'est notre vie, c'est notre destin. Je dis: Ouais, mais moi, une vie comme ça, un destin comme ça, j'en veux pas. J'en peux plus, moi, de cette vie. Et donc la vie a continué. J'avais maintenant 19 ans. Je cherchais du travail, mais je ne trouvais pas du travail. Je devais tout le temps faire face à cette violence qui régnait dans la maison. Et à l'extérieur, je devais aussi faire face au racisme. J'en pouvais plus. J'ai commencé à faire de la dépression et je voulais me suicider. Mais de nouveau, j'ai crié à Dieu. Je disais, Ya Rabbi, ne me laisse pas toute seule. Aide-moi, secours-moi. Et un couple chrétien est venu habiter juste au-dessus de chez nous. Ce couple, ils ont commencé à me parler de l'amour de Dieu. Ils m'ont invité aussi à des réunions chrétiennes. Et lorsque je suis rentrée, j'ai vu des hommes et des femmes qui chantaient. Et là, je sentais vraiment la présence de Dieu. Et je devais vraiment retourner aux réunions pour découvrir l'Injil, Kalimatallah, pour savoir qui était vraiment Yassou el-Massih. J'ai compris qu'il était vraiment le seul qui pouvait me sauver parfaitement et me donner l'assurance du salut. Je peux dire aujourd'hui que Jésus m'a purifié de tous mes péchés. Maintenant, il vit en moi. Et j'ai l'assurance que je vivrai éternellement avec Dieu, car son sacrifice sur la croix m'ouvre la porte du ciel, Jannah. Qui que tu sois français, arabe, quelle que soit ton origine, et quoi que tu aies fait dans ta vie, crie vraiment le nom de Yassou el-Massih, demande vraiment à Jésus de te venir en aide. Il le fera parce qu'il t'aime, et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut vraiment le faire aussi dans ta vie. Bislama, wa barakatullah. بركة ربي تكون معك.